On va se réveiller moins bête avec Benoît. Salut mon bebeu. Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Salut Benoît. Salut Benoît. Bienvenue sur Virgin Radio, tu nous appelles d'où ? De Tronville-en-Barrois, à côté de Bar-le-Duc, dans la Meuse. Ah, je connais très bien Bar-le-Duc. Ah oui ? Ouais. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis responsable de cuisine, je suis cuisinier. Ok, et bah bienvenue à toi sur Virgin Radio, on va se réveiller moins bête. Avec toi Benoît, écoute bien cette question. Au travail, dans quel lieu 16% des Français rêvent de faire de grosses bêtises avec un ou une collègue ? Ouh là là, ouh là là, au travail. Sur la photocopieuse. La photocopieuse, c'est pas mal. Tu sais quoi ? C'est dans le sondage, c'est 5% des sondés, mais c'est pas ça. T'es dans 16% le fichier, là. Des Français rêvent de faire des grosses bêtises dans ce lieu au travail. À votre avis, c'est quoi, Diane ? Dans le bureau du patron. Ah ouais, c'est pas mal ça. On embrasse Fredo, le patron de Virgin. C'est vrai que si je devais choisir un lieu, pourquoi pas ton bureau ? C'est magnifique ça. Mais avec le patron ? Ah non, pas avec le patron. Ah, non. Attends, on embrasse Karine, la personne. Oui. Mais t'es malade. On fait bouner. Je sais que chez les miss, il n'y a plus de limites. Donc, moi, comme je suis très branché écologie, je dirais un câlin dans le local poubelle. Comme ça, tu fais l'amour et en même temps, tu peux trier les cartons. C'est plutôt, non, c'est plutôt pas intéressant. Ça. Yannick, le producteur. Moi, je pense que ça serait sur la terrasse. Sur la terrasse. Ah, non, c'est pas ça. En extérieur, oui. C'est pas en extérieur, c'est, on va dire, en. Non, c'est en intérieur. En semi-intérieur, on va dire. En semi-intérieur ? Une salle de pause. Ouais. Une salle de pause, non, c'est pas ça. D'ailleurs, dans un instant, je vous donnerai l'endroit où on peut faire des câlins chez Virgin Radio. J'ai enquêté pour vous. Ah, d'accord. Alors est-ce que dans c'est le hall d'entrée de la boutique. Ah. De la boutique, non, c'est pas ça. T'as dit c'est en semi-machin. Oui, c'est en intérieur, mais bon. Est-ce que c'est un niveau inférieur ? Oui, c'est au sous-sol. Ah, c'est au parking. Ah. C'est dans le parking, ah, exactement. Bien sûr, le parking. 16% des Français rêveraient d'une aventure dans le parking de l'entreprise. Ça fait pas rêver quand même. Et vous, vous rêvez d'où ? Bah déjà moi j'aimerais ça me suffit de rêver d'une relation en entreprise. Après tu m'aimes où tu veux, je m'en fiche. Hein. Vous savez qu'il y a une salle dans les locaux de Virgin Radio, on peut faire des câlins. Parce non. que comme c'est des locaux de radio, tout le monde se lève très tôt, donc il y a une salle de repos. Vous allez à l'étage 0. Ah, c'est là où tu vas tout le temps. Je l'ai identifié, c'est la salle tropicale. Si vous voulez faire des rencontres un peu caliente, vous pouvez trader comme ça, parfois il y a des gens, voilà. Mais non, c'est si, quoi si, ça si. La dernière fois que je suis rentré, il y a un mec qui m'a dit coucou, t'es pas encore couché. Je te jure que c'est vrai. Mais attends, et salle coup, tropicale, étage 0. Mais j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très très bon moment. Mais il y a des lits dans cette salle ? Ouais, ouais. J'étais avec Stéphane Bern d'Europe 1. Hein. C'est un grand lit que tout le monde partage ? Non, il y a plusieurs lits. Je vais vous la montrer, la salle tropicale. Merci Benoît d'avoir été avec nous. D'accord. On te fait des bisous. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.